Bonsoir, bonsoir. On est le vendredi 11 février. Donc, je vais vous parler un petit peu de la crypto-monnaie et pourquoi pas la Belkhayat méthode pour la crypto-monnaie. Quelque chose à la fois très simple et très rentable. Vous cassez pas la tête avec ces marchés-là. Ne cherchez pas à compliquer là où c'est simple. C'est ça l'idée de base de la crypto-monnaie. Parce que la crypto, il y a 80% d'amateurs et 20% de professionnels. Ce qui est le contraire dans les actions et dans le forex et dans les marchés futurs, les marchés à terme. Vous avez en face de vous beaucoup de débutants, beaucoup de gens qui rêvent, qui vont gagner beaucoup d'argent, etc. Donc, on va voir ensemble comment on peut avoir une bonne approche et qui peut vous faire gagner de l'argent de manière constante pendant toute l'année à venir. En tout cas, 2022, ça va être dans la poche, si vous me le permettez. Bon. Alors, je vais commencer déjà par vous parler de Belkhayat Pivot, là, que vous voyez là. Ce sont des pivots que je n'ai rien inventé, en fait. J'ai pris les pivots simples, normaux, c'est-à-dire les retracements qui sont standards que vous voyez ici. En rouge, ce sont des résistances. Et en vert ici, ce sont des supports. Donc ça, il n'y a rien de compliqué. Sauf que la ligne bleue que vous voyez là, c'est le point pivot. Et j'ai rajouté à ces lignes-là la ligne, ce qu'on appelle en anglais previous close. Ça veut dire la clôture de la journée précédente. Et comme on va le voir, que ce soit sur les actions, les futurs, la crypto, la clôture de la veille, elle semble jouer un rôle fondamental dans la journée. Et ensuite, j'ai rajouté ce qu'on appelle le volume profile, là, cette ligne-là, qui est en fait, qui représente l'endroit où il y a eu le plus de volume de la journée. Par exemple, ici, à ce niveau-là, on a eu, à ce niveau-là de prix, on a eu le maximum de volume. Alors que le volume que je mets ici, dans la template donc, de Belkhayat pour la crypto, ce volume-là, il a rapport avec le temps. C'est-à-dire qu'à 6h48, à 6h40 ou à 19h37, nous avons tel volume. Ici, c'est, nous avons un grand volume par rapport au prix. Ne vous inquiétez pas. C'est une fois que vous avez avalé ça, c'est bon. Après, ça roule tout seul. C'est juste ça qu'il fallait savoir. Et puis ici, nous avons donc Belkhayat Paris Centre, qui est un indicateur que vous allez découvrir. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser parce que c'est un indicateur qui est disponible pour les abonnés VIP, hein, de mon espace VIP, mais ce n'est pas obligatoire. C'est un plus que je vais vous montrer. Alors, maintenant, on va regarder, je vais mettre ma vidéo ici, et on va regarder comment se comporte Doge, par exemple, Doge, comment se comporte aujourd'hui. Alors, on va étudier les marchés de la crypto en 30 minutes. Alors que sur les autres marchés, d'habitude, moi, j'analyse le Nasdaq, le S&P, l'or, le pétrole, etc., sur du 15 minutes. Mais la méthode Belkhayat fonctionne beaucoup mieux sur un espace de 30 minutes sur la crypto-monnaie. Alors, regardons par exemple ici, on voit que, alors, le principe est très simple. Ça tient en une phrase. C'est juste comment l'appliquer qui fait que vous devez vous concentrer. Lorsque la clôture de la veille elle est supérieure au point pivot, comme vous voyez ici, alors cela signifie que on aura probablement une tendance haussière. Je dis probablement. Ce n'est pas tout le temps, mais le principe, c'est que si vous suivez cette règle, vous allez filtrer vos trades et vous allez voir que vous allez
faire beaucoup moins de trades perdants, juste avec cette simple règle. Donc, pour vous simplifier la chose, j'ai demandé à mon codeur Oussama de vous faire une couleur verte lorsque le jaune est au-dessus du bleu et une couleur rouge, comme vous voyez ici, lorsque c'est l'inverse. Comme ça, de manière visuelle, lorsque vous mettez la template Belkhiat, immédiatement, vous savez ce que dans la journée, quel type de signaux vous allez guetter. D'accord? Donc ça c'est quand même très intéressant à savoir. Alors, on va d'abord vérifier que sur la crypto-monnaie, en 30 minutes, ça fonctionne quand même assez bien. Hein? Attendez, là, mets ça ici. Voilà, regardez ici, nous avons constitué un matelas ici de range très intéressant. Le marché est venu respecter ces niveaux que nous avons tracés. Et ensuite ici, on a eu une cassure brutale sur ce niveau-là, puis le marché est parti. Alors, la phrase clé de la méthode Belkhiat dans la crypto, c'est maintenant à 6 minutes 27 secondes que je vais commencer à la dire. C'est simple, mais tellement elle est simple que vous n'allez pas en croire vos yeux et vos oreilles. Mais je vous défie de me prouver que ça ne fonctionne pas. Parce que depuis que je l'ai expliqué à certains de mes élèves, ils ont décidé d'arrêter tout le trading sur les futurs et sur les autres pour ne se concentrer que sur la crypto-monnaie et d'utiliser ce que je vais dire à l'instant là. Posez votre thé et écoutez, c'est très intéressant. Lorsque vous allez faire de la crypto-monnaie en trading, ne rentrez pas n'importe comment. Ne rentrez pas n'importe quand. Il y a toujours un moment où vous allez rentrer. Et si ce moment-là ne se présente pas, vous n'avez rien à faire. Vous ne faites rien. Vous ne dites pas, ah, maintenant ça devrait baisser. Ah, maintenant le Bitcoin devrait monter. Parce... Ne faites pas ça. C'est pour ça que je vous verrouille en vous mettant sur du 30 minutes déjà. Déjà, ça vous restreint, un premier point. Et deuxième point, vous allez surveiller les volumes. Sans volume, vous ne faites rien. Mais avec le volume, vous avez 80% de chances de gagner de l'argent. Maintenant, lorsque vous avez Belkhiat Barysand qui arrive vers la zone verte ici, regardez bien, il n'arrive pas tout le temps dans la zone verte. Vous allez voir que dans une journée, il arrive une fois, deux fois dans une zone verte ou dans une zone rouge. Lorsqu'il arrive dans une zone verte et qu'il se recourbe et redevient vert comme ici, c'est intéressant d'acheter. C'est une zone d'achat. D'accord? Mais ce n'est pas parfait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de volume et nous avons un signal rouge ici qui nous dit que le marché devrait être baissier. Donc, bien que j'ai un signal d'achat ici, effectivement, si j'achète à ce signal d'achat, je pourrais gagner, je peux gagner jusqu'à ce niveau-là. Je vais sortir sur le niveau ici du pivot, parce que ça, c'est le pivot. Donc, si j'achète ici, j'encaisse au pivot et je suis content, mais ce n'est pas le signal parfait. On va aller chercher ensemble un signal intéressant. Par exemple, ici, nous avons une configuration où on est dans une zone de vente. Et on a cette bougie-là qui est Belkhiat Squeeze, que vous connaissez. Et après avoir tracer une tendance haussière, nous avons cette bougie qui vient taper comme ça en effet ressort sur la deuxième résistance et surtout on a un volume très important par rapport à ce qu'il fait d'habitude le marché. Donc volume important, mèche, rebond sur la deuxième résistance,
Et surtout ici, Belkhiyat Barisande qui se courbe, là on a un signal de vente. Oui, là on peut vendre le Doge. Ok? Ne vous inquiétez pas, on a. J'y vais doucement. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 marchés et vous allez absorber cette technique qui est très très simple. C'est une technique attentiste. Vous devez attendre. Vous êtes là avec le fusil, vous tirez pas, vous avez une balle, deux balles dans la journée. Alors, on va regarder le Bitcoin. Voilà. Regardez ici, c'est quand même magnifique. Regardez. Je vous dis de regarder le volume et de combiner avec ce qu'on va avoir. Alors ici, on a quoi? On a fait avec les trois lignes de pivot de volume ici. Très grand volume ici. Donc il y a eu beaucoup de volume. Il y avait le pivot et il y avait la ligne de la clôture de la veille ici. Donc ça forme véritablement un vrai tremplin. Si le marché décolle, tape sur ce tremplin, vous fermez les yeux, vous mettez all-in. Pour ceux qui jouent au poker. Et pour ceux qui ne savent pas jouer au poker, on va faire une. On va faire une leçon de poker un jour, Inch'Allah. Bon, nous avons ici ce qu'on appelle Belkhiyat Impulsion, qui fonctionne à merveille en 30 minutes sur le Bitcoin. Ce n'est pas possible que vous ratez ça. Vous avez une accélération, volume, plus une très belle bougie, et on a cassé ici, avec force, la première résistance. Donc là, on a laissé tout le monde derrière et on va décoller. Donc ça, c'est un très très bon signal. Le lendemain, vous avez raté ça, mais vous avez entendu, ah, le Bitcoin, il est monté, quoi. Ah ouais. Donc vous vous réveillez et vous dites, bon, je fais quoi? Dès que vous vous réveillez, vous voyez déjà que vous avez, que le système, la template Belkhiyat, elle vous a déjà dit qu'il faut être acheteur. Sans rien, tout de suite, parce que vous voyez ici, c'est du vert. Vous voyez votre matelas déjà vert. Donc là, vous dites, bon, je vais attendre un bon signal d'achat. Et ici, vous avez un rebond. On n'a pas beaucoup de volume, mais on a quand même, on est revenu faire un pullback sur le matelas en question. Et je vois que ici, il est en train de me dire, tu peux acheter. Donc, je me prépare éventuellement à acheter, mais je ne suis pas confiant. Je voudrais bien rentrer avec du volume et avec une accélération, comme ici. Ici, le marché me dit, mais ça, c'est de l'argent facile. J'ai une très belle bougie, j'ai une cassure brutale de la résistance. J'ai tout ce qu'il faut pour dire que ça, c'est Belkhiyat Impulsion dans sa splendeur. Boum, le marché part. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? J'achète, je vends. Et puis finalement, j'entends, bon, je peux laisser cette position parce que le Bitcoin, quand ça pousse. Hein, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Bon. Alors, pour ceux qui veulent faire de l'intraday, par exemple, ils peuvent sortir ici. On se rapproche de cette zone-là. C'est possible. Mais on sait bien que le marché peut revenir faire un pullback sur la deuxième résistance ici. Mais tout ça, on le voit. Bon. Alors, le lendemain, supposons que nous, on s'est réveillé, on a gardé la position, et le lendemain, on regarde, tiens, c'est encore haussier. Donc, je garde ma position, mais attention, mesdames et messieurs, nous avons ici Belkhiyat Squeeze dans toute sa splendeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une tendance haussière, là. Et tout d'un coup, on a une mèche avec beaucoup de volume et un effet ressort sur la première résistance. Ça, c'est un cas d'école. Vous pouvez pas ne pas vendre ici. C'est pas possible. Parce que tout
et réunis ici pour vendre. C'est pas parce qu'ici on a bien une journée haussière, mais pour le moment, on laisse ça, on doit suivre ça, parce que ça, c'est un signal très très fort de correction. Le marché est revenu ici, et là, si on veut, on a maintenant un volume, et ça, c'est pas un volume de squeeze. Pourquoi c'est pas un volume de squeeze? C'est pas un volume de squeeze parce que, tout simplement, on n'a pas ici de mèche déjà et on est dans la zone d'achat dans Belkhayat Barycent. Vous voyez qu'on est dans toutes ces journées-là, ce n'est qui, c'est la première fois qu'on vient à ce niveau. C'est ça que je vous dis. Je vous dis que la crypto-monnaie, elle va vous, si vous suivez juste ces niveaux-là, on va les voir ensemble. Ce sont des niveaux de retournement de tendance parce qu'ils cherchent de la contrepartie. Vous devez comprendre ça. Les marchés ont besoin de chercher de la contrepartie, sinon, il n'y a rien. Donc, pour le moment, le marché, il a donné un très bon signal de vente, mais ici, on a un très, très bon, un très puissant signal d'achat qu'on achète ici. Il faut acheter ici. Donc, pour résumer, lorsque vous voyez, quel que soit le marché de la crypto-monnaie, avec un clin d'œil, regardez d'abord où il y a sur 30 minutes les grandes barres de volume. Et je peux vous assurer que sur ces grandes barres de volume, vous allez savoir quoi faire. Parce que vous avez, c'est binaire. C'est soit c'est un signal d'achat, soit c'est un signal de vente. OK? Bon. Pour savoir si c'est un retournement de tendance, il faut qu'il y ait une mèche, il faut qu'il y ait le volume là, la mèche, et qu'il y ait une tendance, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc ça, c'est un squeeze. Ça veut dire que le marché était en train de descendre, puis ensuite il a piégé tous ceux qui vendaient avec cette mèche là. Donc là, on peut acheter avec ce volume là et avec la combinaison de Belkhayat Barycent. On continue. Ici, on se lève. Oh, hier, on se lève. Elle était jeudi. Et on se dit, tiens, le Bitcoin, il voudra monter, puisque je suis vert. Parce que ces données-là, vous les avez dès la première minute de la session. Donc, vous les avez quand vous vous réveillez, vous savez déjà s'il faut être acheteur ou vendeur. Elle n'est pas belle l'affaire? C'est magnifique. Vous vous cassez pas la tête. Vous vous levez, vous mettez ça, vous savez déjà. Est-ce ce qu'il faut faire? Vous avez l'idée. Bien sûr, c'est pas 100%, je répète. Mais avec 80%, vous pouvez vous enrichir toute votre vie avec 80% de chances d'avoir raison. Et c'est ce que je vous offre. Et vous allez vous-même le vérifier. Et c'est quelque chose de très simple, mais que j'ai utilisé pendant très longtemps. Ils ont des chaises ici vraiment nulles. Vraiment, je n'arrive pas à m'asseoir avec cette chaise. Et ils disent 5 étoiles. C'est 0 étoile ici. Ils sont fous. Bon. Donc, je parlais de cette journée de jeudi. Et je sais que dois être acheteur. Donc, le marché tombe ici et vient pile poil. Ici, c'est quoi? Vous vous rappelez? Ici, c'est là où il y a le plus de volume. Regardez comme ce niveau-là, il a vraiment servi de support. Vous avez vu? C'est magnifique. Donc, là, on fait un support. Pop, 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 pop. Là, le marché vient ici. Il fait cette bougie-là. Moi, ici, j'aurais pu acheter là, mais disons que j'ai raté tout ça. Je viens, je vois le marché qui fait ça. Mais ici, je sais que quand j'ai un grand volume et que j'ai une mèche, et que je viens rebondir sur un support, d'autant plus que le marché me dit qu'il faut être acheteur, donc je guette un signal d'achat. Moi, je cherche un signal d'achat sur le Bitcoin depuis que je me suis réveillé parce que je suis vert ici. Donc ici, j'ai un bon signal d'achat, j'achète. Le marché part rapidement taper ici la deuxième. Déjà ici, moi, je peux sortir. En touchant ici déjà, c'est largement suffisant. La première résistance, on peut sortir. La deuxième, OK. Pourquoi?
parce qu'on est dans une zone de Belgrade Graffiti Center qui me dit que dans ces zones-là, vaut mieux être vendeur, vous voyez ici, on est dans la zone proche du rouge, qu'être acheteur. Si vous voulez être acheteur, c'est par là que ça se passe. Voilà. Sauf que la journée d'aujourd'hui, vendredi, dès que j'ai ouvert les yeux, j'ai vu qu'il fallait être vendeur. Que ce marché-là était, il valait être vendeur. Donc je vais surveiller un signal de vente. Ça tombe bien. Le signal de vente, je pense que vous l'avez vu, il est là. Pourquoi c'est un signal de vente celui-là? Parce qu'on est en train de monter. Ce n'est pas une grande montée, mais on sait qu'on doit avoir un signal de vente et on est en train de monter ici également. Donc là, on a courbé, mais surtout, on a un grand volume qui coïncide avec cette mèche-là. Ça a l'air de rien comme ça. C'est une petite demi-heure de rien du tout qui s'est passée à 15h30 heure d'ici. Ça veut dire 13h30 heure marocaine. On a eu un magnifique signal de vente sur le Bitcoin. En 30 minutes. Elle est pas belle, elle est cool. Conclusion de l'histoire. Sur la crypto-monnaie, il n'est pas question d'acheter, de vendre, d'acheter. Il n'est pas question de faire ça. La crypto-monnaie, elle a besoin de temps pour mettre en place. Mais c'est bien parce que l'analyse graphique fonctionne très très bien en 30 minutes sur la crypto-monnaie. Donc, aujourd'hui, où je vous parle, je ne dois pas être, du tout être acheteur de Bitcoin. Je dois respecter tout simplement ce qu'on est en train de me dire ici. Si je veux acheter le Bitcoin, je dois être ici, à ce niveau-là. Bien, on va aller regarder l'Ethereum. Alors, l'Ethereum, regardez, c'est quand même magnifique. J'espère que vous le voyez. Regardez ici, il a un signal d'achat, il part pile poil, respecter la première résistance et hop, il revient avec du volume. Attention, là on a du volume. Mais on a du volume, mes chers amis, j'espère que vous avez vu ce que j'ai vu, parce que sinon je vais devenir fou. On a une tendance haussière. Puis on a un grand volume et on a une mèche qui vient taper, pas n'importe où, qui vient taper exactement la première résistance des pivots. Autrement dit, l'Ethereum est en train de vous dire, mes chers amis, ouvrez votre sac, je vais vous donner de l'argent. Allez-y, vendez. D'accord? Et puis, je veux vérifier quand même, tiens, est-ce que je suis en tendance baissière ici? Et là, je vois qu'effectivement, c'est magnifique. J'ai même ici une divergence baissière. Puisque ici, ça monte et ici, ça baisse. Donc, j'ai confirmation de baisse partout. C'est vraiment, il faut que je sois aveugle pour pas vendre l'Ethereum ici. Mais vous voyez, l'Ethereum vient pile poil à 1 mm près rebondir sur son premier support. Bien. Et ce qui est bien ici, c'est que nous avons un signal d'achat ici. Vous voyez, on est venu dans la zone d'achat. Ça fait pas longtemps, ça, vous avez vu, la zone d'achat, enfin on est dans la zone d'achat. On se rapproche du vert. Depuis pas mal de temps, on n'était pas dans le vert. Là, signal d'achat, effectivement, le marché a décollé. Il est parti. Maintenant, on a pratiquement une configuration comme le Bitcoin, où le marché ici, il était haussier, puis boum, il tape pile poil ici, il revient ici, on a un signal de vente ici, très intéressant, puisqu'on a cette mèche-là. Quand vous voyez cette mèche comme ça, qui vient taper dans ce matelas ici, qui sert de support et de résistance, c'est un très bon signal de vente, d'autant plus qu'on a du volume. Le marché tombe ensuite. Vous pouvez sortir, regardez comment ici ça sert de support. Ce sont des points importants à vérifier. Donc ici, j'ai un magnifique signal également, je pense également à 15h30 d'ici, pareil, au même moment,
sur la même bougie sur le Bitcoin. On a un signal à la fois sur le volume, à la fois sur barre essente, belle barre essente, et sur l'effet ressort une fois qu'on a tapé le pivot. C'est vraiment très fort. C'est un signal de vente. Bon, on va regarder Solana. Je sais pas pourquoi j'ai pas les couleurs. J'ai pas les mêmes couleurs. Je sais pas pourquoi. Attendez. Je vais. Save template. Écoutez, attendez, excusez-moi, je vais voir pourquoi ça marche pas. Bon, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, c'est pas grave, on va aller regarder. On a dit Solana. Donc, si. Ah, ok. Et template. Voilà. Mais pourquoi ça fait ça? Ah, pardon, c'est Belkhayat. C'est moi. C'est moi qui. Donc voilà. Excusez-moi, voilà. Donc ici sur Solana, nous avons ici nous avons ça, on doit être haussier. Donc le marché monte, il revient taper ici sur le matelas haussier, puis part exactement. On voit bien que ça marche bien les pivots. Vous voyez bien, ça marche vraiment bien. Ici on doit être vendeur ici. Aujourd'hui, cette journée, on doit être vendeur. Donc ici, on a un magnifique signal de vente, indiscutable signal de vente ici sur Solana, parce que on a le volume, on est ici dans la zone de vente, et donc c'est un très bon signal de vente. Et effectivement, ce signal-là se révèle être excellent signal de vente sur Solana. Et c'est ça que je veux vous apprendre, en fait. Je vais vous apprendre à pouvoir guetter le signal qui va vous faire gagner de l'argent. C'est pas la peine de faire du trading sur la crypto. La crypto, vous allez veiller, vous allez attendre qu'il y ait le bon signal. Et s'il n'y a pas de bon signal, vous rentrez pas, vous dites pas le marché devrait monter, devrait baisser parce que c'est en train de monter. Non. Non, vous devez attendre. Vous attendez qu'il y ait ce volume, ce fameux volume-là. Okay? Bon. Donc aujourd'hui, ça tombe. Solana, c'est en train de tomber. Donc aujourd'hui, il n'est pas question d'acheter ce Solana. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Bien. On va regarder Sand. Et vous voyez avec moi une chose quand même. J'espère que vous remarquez que Sand respecte vraiment de manière étonnante les pivots. Vous les voyez là, vient taper pile poil sur ce pivot là qui est un très très bon support. Vous voyez, excusez-moi, je crois que c'est internet ici à l'hôtel. Je vous dis une chose, la connexion au Maroc, elle est meilleure que dans tous les pays où j'ai été, que ce soit les États-Unis, la France, que ce soit Dubaï, que ce soit l'Arabie Saoudite, la connexion marocaine, Ghalbaton, elle est championne. Mais je le dis sincèrement, parce que c'est partout c'est minable. Donc ici, on assiste à une très 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 belle réaction de cette crypto sur le niveau du pivot.
qui sert de résistance ici. Et évidemment, ici, tout le monde sans exception, hein, de la classe, sinon vous sortez de la classe, tout le monde a vu ce signal-là. Et en fait, comment vous le voyez et pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est pour vous rappeler que c'est très simple. Je ne complique pas. Vous regardez là où il y a des pics de volume. Et ensuite, vous essayez de retrouver des éléments que je vous donne. Est-ce que ce sont des éléments de squeeze? Dans ce cas, c'est retournement de tendance. Ou est-ce que c'est des éléments d'accélération, d'impulsion? Et ça, vous apprenez, vous pouvez le voir parce qu'il n'y a pas de cassure. Quand c'est l'impulsion, il y a une cassure de support et de résistance. OK? Bon, ici, sur ce volume-là important, vous avez un effet ressort ici avec une très belle mèche. Et cette mèche-là, elle a été repoussée par la première résistance. Ça veut dire beaucoup d'argent parce que vous vendez ici, regardez ce que ça tombe. Évidemment, vous êtes des bons élèves. Vous avez tous vu le magnifique signal d'achat sur Solana, sur Sand. N'est-ce pas? On est dans la zone ici. On est dans la zone d'achat avec Belkhayat Barysant, mais vous ne l'avez pas. Donc, ce n'est pas grave. On fait comme si vous l'avez. Mais ce n'est pas indispensable. Ce qui est indispensable, c'est de savoir repérer cette bougie que je suis en train de vous montrer. Si vous ne savez pas voir ça, alors vous ne pourrez pas gagner de l'argent, ni en crypto, ni sur les autres marchés. Parce que voici les configurations qui vont faire que vous allez régulièrement gagner de l'argent. Vous avez une tendance baissière, vous avez un grand volume, et vous avez ici, vous avez cette mèche. Et le marché a fait un effet ressort. Il a essayé de rebondir à la fois sur la deuxième support et pratiquement troisième support. Donc, il y a un effet d'élastique. Et c'est cet effet-là d'élastique qui a fait que le marché a bondi violemment pour aller directement à la première résistance. Mais ça, vous le savez à l'avance. C'est ça qui est beau dans l'analyse technique et graphique, c'est que les niveaux que je vous mets là, vous les avez à l'avance. Donc vous les inventez pas. C'est pas du Fibonacci, c'est pas des choses que vous tracez pour vous essayer d'améliorer. Vous allez mettre des niveaux que vous voulez vous. Non, ce sont des niveaux qui sont tracés à l'avance par Belkhayat Crypto Template. C'est simple. C'est gratuit. Je ne sais pas si ça va être gratuit. Hein? Avec mon équipe, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais en tout cas, moi, j'ai voulu vous donner cette vidéo pour que vous voyez. Vous savez, ici, ça fait un trading range dans le matelas haussier. Donc ici, c'est pas mal, mais on n'a pas de volume, donc ce n'est pas intéressant. La seule chose à vérifier ici, si vous êtes levé très tôt, hein, à l'heure, c'est-à-dire 1 h du matin, heure de l'Arabie Saoudite, vous avez un magnifique signal de vente ici, puisque vous avez le grand volume. Nous avons Barycentre qui est dans une région de vente. Et vous avez la configuration parfaite de vente, puisque on vient rebondir ici sur ce niveau-là. D'accord? Vous voyez un peu ici. Très bien. Donc, maintenant, nous avons le marché qui est resté dans ce matelas entre le pivot et la clôture de la veille. On est là, et puis boum, ça tombe. Je pense qu'il ne faut pas encore acheter, même si ici on a un volume, mais je ne crois pas tellement, puisque tant que Barycentre ne s'est pas plié, pour le moment il est rouge, vous le voyez. Donc, tant qu'il ne s'est pas plié, tant qu'on n'a pas un vrai volume vert, ça serait bien d'avoir un premier volume vert comme ici. Au premier volume vert, on peut envisager d'acheter 5. Mais pour le moment, il faut pas chercher à être acheteur sur la crypto-monnaie ce vendredi
11 février, il faut juste regarder ce que le marché fait et attendre la bonne configuration. Voilà, c'était le cours d'aujourd'hui. C'est un cours de patience. C'est un cours où je voudrais que vous commenciez à regarder la crypto-monnaie avec un espace, une unité de temps de 30 minutes pour que vous puissiez digérer ce qui se passe. Et comme vous le voyez, en 30 minutes, on ne va pas rater des très bonnes opérations. Par contre, on va éviter beaucoup de faux signaux, de fausses manœuvres. Et on attend le bon moment, soit avec Berkhad Barissant ici qui nous dit acheter ici, ok, acheter ici, il nous a donné un bon signal ici d'achat, ok, il nous a donné un bon signal d'achat, mais on est contenu par ce matelas baissier qui nous a été donné dès le début de la session de trading. Voilà, mes chers amis, et je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Hein, c'était un petit coucou de Jeddah pour vous donner envie d'avoir un regard neuf, différent sur le monde de la crypto-monnaie qui, à mon avis, a beaucoup d'avenir, non seulement sur l'année 2022, mais sur les 10, 20 prochaines années. La crypto-monnaie, ça va commencer à être incontournable et indiscutable au niveau planétaire. Je vous remercie. Salam alaikum.